Philippe Candeloro. Les lourdes conséquences de son passé de sportif sur sa santé. Lundi 13 février 2023, Philippe Candeloro était invité dans l'émission Chez Jordan diffusée sur C8. L'ancien patineur a révélé qu'il venait d'être opéré à deux reprises à cause de problèmes liés à sa pratique intensive du sport. Le sport, bon pour la santé? Pas toujours. Lorsqu'il est pratiqué dans de mauvaises conditions ou de manière intensive, il peut avoir des conséquences négatives sur le corps et la santé. Ainsi, Philippe Candeloro, champion olympique de patinage artistique, a fini par s'abîmer les hanches à force de leur faire subir des chocs sur la glace. Après s'être fait poser une prothèse, il y a peu, il a dû repasser sur le billard. 50 ans a été l'année charnière de la fin de mon exploitation de mon corps sur glace en tant qu'artiste. Cette hanche va très bien. J'ai repris ma saison sportive mi-octobre l'année dernière. J'ai refait des sauts périlleux, des choses comme ça. Tout va bien sauf que j'ai abîmé la hanche droite plus vite que prévu. Je repasse sur la deuxième prothèse de hanche, avait dévoilé le sportif dans l'émission Chez Jordan avant sa deuxième opération. Le corps de Philippe Candeloro abîmé par 42 ans de pratique. Ce 13 février, le commentateur sportif au franc-parler légendaire a de nouveau été interrogé par Jordan Deluxe. Il en a profité pour donner des nouvelles de sa santé. En 2 ans et demi, j'ai fait les deux prothèses de hanche. Il y a la troisième à faire bientôt, mais le médecin a dit qu'il n'y avait plus de place, a-t-il déclaré avec humour. Blague à part, j'avais de l'arthrose aux hanches. 42 ans de pratique, forcément, ça laisse des traces, a ajouté celui qui a commencé le patinage à 8 ans. À outrance, le sport fait quand même des dégâts, a poursuivi l'ami de Nelson Montfort. On dit qu'on se sent bien quand on fait du sport, c'est vrai parce que physiologiquement, au niveau du cardio, si vous avez un cœur qui est entraîné, vous aurez plus de chances de vivre plus longtemps. En revanche, mécaniquement, tant qu'il y a le muscle qui est là, qui renforce toutes les articulations qui prennent des chocs, ça va. Mais quand vous prenez de l'âge, à un moment donné, le corps, à 50 ans, il ne peut pas réagir de la même façon que quand il en a 20. Si Philippe Candeloro a arrêté la compétition à 26 ans, il a continué le patinage artistique au travers de spectacles et de galas, lors desquels il multipliait encore les sauts périlleux. Conscient que son corps n'avait plus les mêmes capacités qu'avant, il s'est enfin décidé à lever le pied pour se préserver.